Bon, et très tôt, depuis petit, j'ai commencé à faire musique. Je suis capable de dire peut-être à l'âge de 5 ans, 6 ans, de prendre des cours de chant à Michel Desgouettes, défunt Michel Desgouettes. Et puis, m'apprendre à jouer guitare. Après ça, très très jeune, j'ai peut-être 8 ans, 10 ans, on a fait théâtre avec Sito Cavé, Alan, plein. L'ancien club Violette, était sous Bois Vénard. Donc, on a fait théâtre. Et puis, il y a Toto Vicente. Et puis, c'est là qu'on est venu rencontrer Boulou Valcourt. Comme si c'est Boulou Valcourt qui découvrait moi comme talent. Et puis, je me suis dit, waouh, on va dire un petit qu'on chantait. Et puis, monsieur, mène moi là, Bateau Fou qui était Pétionville. Et puis, c'est la première fois monsieur mettait sur stage. Pour me performer pour le public dans le bateau fou. C'est comme ça que la carrière a commencé. Et avant même que je commence à performer, on a performé avec Boulou Valcourt. J'ai chanté jazz, j'ai chanté une musique qui est vraiment élaborée très 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 jeune. C'est comme ça que j'ai commencé la musique. Et puis on vient entrer ici, et New York City. La collège, c'est là la école a commencé. High school. Et bon. Toute l'histoire nous connaît à partir de la colle, tout le bagage décollé, et puis, here I am. Bon, on est dans la colle là, quand même, on est dans le moment la colle là, décollé même. Parce que Fondosa et la musique haïtienne nous font une belle carrière avant la colle, même parce que tout le monde a regardé, nous avons appris la bande à voir, donc à partir de la colle, il y a plus de monde qui vient connaître et qui font nous identifier à partir de la colle. Donc, parlez-nous de. Idée la colle là, comment commencer, comment l'éclater. Parce que juste une jeudi, je suis certainement de vos côtés. C'est pas tout dans la colle. Ouais, c'est ça. Mais tu viens de dire, c'est tant dans la colle. Même email, moi, c'est tant dans la colle. Yeah, so, ouais, et la colle commençait dans le début des années 90. Et là, ça a été dans high school, so, New York City. Et l'époque, ça, c'était Kassav qui était en vogue, qui était vraiment. Et a fait la fureur, so, nous avons en pile influence de Kassav à l'époque. Sa forme musique nous était une couleur très entière. Et bon, la colle vient faire une révolution dans le vidéoclip. Et ça crée les vidéos. So, nous venons faire ces premiers groupes haïtiens qui ont fait des vidéos sur pellicule, sur film. Et nous avons nominé. Et nous n'avons pas nominé, non, nous avons gagné le meilleur groupe haïtien, le meilleur groupe antillais et dans MTV International. À l'époque, MTV a gagné deux sections, il a gagné MTV World, MTV International, il a gagné MTV, et bien sûr, musique hip-hop, R&B, etc. So, et plutôt, nous avons Apollo Theater, nous avons fait Caribbean Music Award at the time. Et la colle c'est le premier groupe qui était remporté pour le meilleur groupe World Beat. C'est pas haïtien, World Beat, mais ça, Award c'était Jamaïcain, Trinidadien, etc. So, et je pense que la colle était vraiment. C'était un succès. Nous avons vraiment marqué l'époque. 90 comme un groupe et pas groupe haïtien, world band groupe qui fait une différence dans la musique, dans world beat music. Donc so, c'est ça et jusqu'à présent qui était comme trademark et non et ça que nous fait dans la musique. Donc so, et par la suite et la colle lui fait album diffé et si ou même moins tout album ça a eu un peu de succès. Et puis, par la suite, nous venons faire un carrière Solomon qui commençait avec Pam Pam Pam. Et nous connaissons qui a un peu de succès. Pam Pam Pam, et puis, nous venons sortir deux autres albums après ça, album solo. Et bon, Kounia m'a présenté le dernier album hein, qui est Va et Vient. Et que je présentais jusqu'à présent qui commençait à faire un peu de bruit, qui a un peu de succès. Et surtout sur Internet, hein, Facebook et iTunes, il y a un pile download sur iTunes. So,
Et it is. Ok. Bon, justement, on parle de va-et-vient, album ça fait sortir, il y a 12 musiques sur lui. Et par contre, si vous voulez parler de chaque musique, et vous avez dans tout détail, mais on dit genre, grosse nos deux albums là, musique qui est bien importante, musique qui est bien chantée, qui est bien importante pour vous, là, ou bien si vous voulez présenter pour les 12 musiques, mais vous avez présenté nos albums là. Vous avez mis des spectateurs qui regardent nous, et qui attendent nous tous. Et nous avec Tantan, et puis en pile nous connaît très bien comme un grand artiste haïtien. En pile nous qui t'a demandé pour lui, côté lié, ça a fait. Et bien, qu'a fait avec aujourd'hui à son dernier album qui sorti, qui l'a présenté nous. Donc Tantan présente nous, il dit ça, va et vient. Enfin même vous présentez musique, pour qui ça a donné va et vient. Bon, va et vient, c'est, nous sommes dire, c'est comme ça vient et vient, c'est on va et vient. Et l'amour, c'est un bail bien, c'est un bail calé qui tourne. Quand on va clamer, qui va aller tourne. Il y a des hauts et des bas dans la vie. Tout bagaille pas toujours été le même niveau. Tout bagaille pas toujours été en haut. Toujours il va et vient. C'est ça que le bail vient. Parce que la carrière, moi, il y a des hauts et des bas. C'est ça que le bail vient. Quand on allait, quand on tournait. So, c'est comme ça. Bon, il y a 12 musiques pour l'album, non? Et par contre, si vous voulez présenter tous les 12 bon. Biens, ça qui est important. Et toutes les musiques, les enfants remèrent. Les enfants remèrent, sont musiques qui est vraiment, que même en pile. Et, c'est pour vraiment montrer, gens que l'amour femme sont barrières qui barrières limites. Et on est capable de dire l'amour femme sont barrières qui est extraordinaire, parce que là, les au-delà. De nous-mêmes, ça, nous-mêmes garçons, nous sommes capables de supporter. Et vous écoutez la musique, là, on dit, l'enfant vraiment, il a accepté malgré l'infidélité. C'est pas que je m'encourage, non, mais c'est que c'est pour montrer l'offre que l'enfant a gagné, que nous-mêmes garçons, nous ne sommes pas capables de supporter. Nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de faire ça. C'est une sorte de. Hommage à Famio pour nous montrer Jean Famio, l'amour que nous gagnons, nous-mêmes nous ne pas gagner la population. So, ça c'est pas bien. Ça c'est Léon Famio. Nous gagnons noir et blanc, noir et blanc. Et c'est parfois l'amour, la relation. Et nous avons parlé de Jean Son. So, c'est le bien monde qui est capable de relater à une relation pareille. Nous avons ramassé Yayad, qui sont musique de plaisir. Ils sont musique de danse, invité Monio à danser. Yayad, qui entre dans la culture haïtienne. Nous avons fait moi. J'ai fait ça. Nous avons ramassé Yayad comme il faut. Tout le monde comprend. Pas les gens qui balayent, mais tout le monde comprend. All right. Ouais, ça c'est tout le monde, c'est le premier single que je mettais sur l'album là, et c'est allé, c'est tout le monde, et c'est la femme qui, que Magoan, que je personnifie Magoan comme mon fils qui sont dans le pays, non, et que tout le monde aimait, et savourer, bon fils ça, et je pense que pas une pire meilleure façon pour nous taper. Vous avez des frères avec la femme. Oh, d'accord, ils nous comprennent. Notre musique, tout. Et alors, il faut présenter entre-temps Caribbean Diva, que nous connaissons, qui sponsorise l'événement avec Stidia. Et quand le concert nous parle pas d'Ami Hotel, on est sur mon petit du tout. Mais on parle avec talent, mais pour le moment, on devait mentionner ça en passant. Donc, notre musique, tout. Et va et vient, comme je dis tout à l'heure. L'amour, c'est un va et vient. C'est un va grand mère. Il allait, il retourner. Et l'autre musique que nous gagnons, c'est Papa les paroles ça, que je chantais avec Alan Carré. Et c'est un bail que tout fanatique a demandé depuis longtemps, qui en a fait un duo ensemble. So, finalement, nous faisons musique et Papa les paroles ça. Et ça, c'est pour mettre, une fois encore, pour mettre la femme en évidence, parce que c'est une femme qui est tellement bombée, qui est tellement bien campée. Papa les paroles ça. C'est toujours la femme, hein? Oh, ouais. C'est pas extraordinaire à faire la femme, ça. Ok? Et Dorémy facile, t'as goût de l'eau. Et Dorémy facile, t'as goût de l'eau. C'est
et son musique, c'est la femme du jour. Et c'est un peu, et c'est une note de musique qu'on a joué. C'est do ré mi facile ta coup de l'eau. Ça veut dire que nous allons faire l'amour sur do. Vous voyez? So, ça c'est la femme musique. Toujours. La femme toujours. Encore la femme. Ça dit. L'homme dont live here no more. Et c'est une musique que moi j'ai écrit avec mon ami Howell qui est New Jersey, qui est un jeune et artiste et monsieur très très bon, so nous faisons voyage par moi, nous travaillons ensemble, l'homme dans les rivières non moins. Et puis la prochaine sélection nous gagnons, c'est un takoui avec, c'est une musique compas, un style compas que et style la colle que tout le monde René, nous t'avons y avoir, c'est d'abord son expression. On dit qu'on peut d'amener vos deux, nous t'avons y avoir. Mais c'est femme, vous chantez la comme ça. Nous n'avons le choix. Parce que moi, chaque musique, c'est la femme du jour. Nous n'avons le choix. Nous n'avons le choix. Parce que c'est inspiration, ça. C'est source d'inspiration. Vous dites ça, c'est nous t'avons y avoir. Nous t'avons y avoir. Au lieu de dire d'amener, let's go with me, vous dites nous t'avons y avoir. Voilà. Oui, parce que vous savez que vous ne pouvez pas avoir un bon sens. Oui, vous avez un bon sens. C'est ça. Et puis, bon, et Femme Doucement. Et, ouais, Femme Doucement, son musique, son style de zouk, que lié. Et, je vous dis la musique, moi, je dis que moi, mes gros femmes, moi, mes petites femmes, moi, mes belles femmes, mais aussi Femme Doucement. So, c'est toujours pour mettre la femme en évidence. Pour. Fait la femme, il est au sommet, parce que c'est ça, it's all about that. And Always on Time, c'est un jeune artiste sur musique ça qui est Daniel Orange, et qui a à peu près 15 ans, qui est une chanteuse extraordinaire qui chante avec moi. C'est petit mon ami, moi, et c'est Steve Merson, qui c'est mon DJ. C'est monsieur dit mon cher dame que ou ba on zèl chans li pour exposer li et faire mon yo connait et Jacques vont chanter ça on pense que c'est son musique fait en anglais qui est Always on Time, so une très belle musique. And then we got One on One, c'est une musique qui fait en anglais et qui gon style R&B. On compare R&B et parce que tout fancy quand même. Et bien sûr, en numéro 12, Toto Mango, que nous avons gardé là, qui est le premier et single que nous mettons dehors sur l'album, qui est Toto Mango. Donc voilà, mesdames et messieurs, ça nous doit un bel applaudissement. Bel applaudissement. Et peut-être nous avons présenté nous les 12 chansons qui sont sur l'album là, je me constate. Et dans 12 musiques, 14 années, on parle de la femme. Une partie que toute musique parle de la femme sont belles bagailles. Et définitivement, t'entends l'album ça, on connaît que c'est semaine ça, c'est jeudi, on peut sortir pour nous regarder nos lives. Et comment le public a identifié avec l'album? Bon, j'aime toujours, t'entends toujours été un artiste qui chantait love, chantait musique, et très facile à revenir. So, le public a identifié lui, il a rejoint un album à travers deux types, à travers deux paroles que je dis, à travers deux rythmes qui sont entraînants. Donc, je pense que tout le monde a joué un album, tout le monde a retrouvé un album. Et maintenant, qui côté mon acheter l'album pour mon cap garder nous aux États-Unis, en dehors des États-Unis, un peu partout? Le premier côté que je suggère mon acheter l'album, c'est sur iTunes. Parce que iTunes, c'est une plateforme universelle que tout le monde, tout côté, achète un bon pour. Parce que tout le monde a un téléphone dans la main, il y a un laptop, un computer. Donc, il est capable de downloader un bon sur iTunes. Et parce que nous connaissons que le nombre de record shop est limité pour nous. Il n'y a pas vraiment un pile, j'ai envie de dire avant. Il y a très peu de record shop qui existait. So, ça fait m'encourager tout le monde à sur iTunes pour acheter l'album. Et dans pile, comme c'est en pile, on acheter sur iTunes avec Amazon.
jusqu'à présent, so, ça fait me plaisir. Et continuer à montrer support à nous, continuer show your love. Et you go and get the album on iTunes. Et bien sûr, sur chaque, dans toute performance que je fais, l'album est toujours disponible dans chaque performance que je fais. Et bonne idée de performance qui a venu, vous connaissez que dans le jour qui a venu, vous avez performé, bonne idée de qui vous doit dire. Bon, et le week-end prochain, il y a un Zouk Festival qui a fait New York et à SOBIS le 18 novembre, et vendredi 18 novembre. Après Thierry Kahn, Eric Vergal, Lela Chico, et pas mal d'artistes qui sont dans le Tiran, Zouk Jam, et vendredi prochain, et puis même festival ça a continué, samedi à Washington, on a fait festival ça encore samedi à Washington, et le week-end qui a suivi, à Kansas, vendredi, Kansas City, et puis Chicago le samedi et le 26 et après Thanksgiving. Et puis après ça, le week-end capé 2 décembre à Key West et puis 3 décembre à retourner back New York encore. Et puis 3 décembre ici ouais, c'est ça. 3 décembre ici chez Albert Resto. Albert Resto 3 décembre et puis le pour le week-end qui a été 10 ou 12 ans, pas sûr que j'ai dit que tu mais le programme est très surchargé et un peu partout, Haïti tout, et on va une signature qui a fait dans Caribé Hôtel Haïti et qui date, qui date. So, en pile va et vient. En pile va et vient, c'est ça. La vie en son va et vient, monte et descend. Bon, et t'as même pour finir parce que pratiquement nous épuisé presque toute information qui nous est très importante. Et une request pour performance live ou à Square. Et par contre, c'est ça possible. Et DJ a fait nous connaître c'est ça possible, t'entends tout. Et en attendant que il va nous répondre, et moi-même, il est là, je vais jouer, nous proposer des questions. Non, tout. Non, et on a fait ça tout à l'heure. Moi, je voulais pour moi, il est attendu depuis qu'il y a ça qui s'est fait comme musique. Bon, Mietel, bonne question là. Tout le monde est content. Bon, on a invité Mietel. Tout le monde est là. Applaudissements de la force, s'il vous plaît, pour Mietel. Mietel. Ma seule chanteau qu'on a chanté. C'est une des meilleures artistes haïtiennes. Parce que je grandis avec elle, parce que je me préserve. Alors, si tout le monde qui l'a, que moi connais, le beau petit, ou pas chanter seulement, ou son diaz, pourquoi? Dis ça pour moi. Bon, et merci à Bill. Comme je dis, tout le monde, peut-être que le monde qui est capable de connaître ça de moi, et moi pas chanter seulement, moi grand studio, moi c'est un guitariste. Moi j'ai guitare, moi j'ai basse, moi j'ai batterie, moi j'ai keyboard, moi c'est un auteur-compositeur. Et moi, merci. Ouais. So, comme je dis, on est tout artiste. Et actuellement, on record au studio que j'ai enregistré et mixé. So, alors, et c'est comme ça que le business a viré. C'est pas seulement chanter, mais et bon Dieu, ben, moi, habilité pour me. C'est un multi-talented et comme dit Prince, comme nous connaissons Prince, c'est un artiste qui joue plusieurs instruments. Le petit, ma bande joue guitare, car Michel Degotte, ma bande joue basse, moi joue batterie, moi joue keyboard, etc. So, c'est ça qui explique que musique Mayo et Snap sur CDO, c'est moi qui fais majorité de travail instrumentation, c'est mes frères. So, c'est ça. Ils sont haïtiens,
ils sont Michael Jackson. Les Haïtiens Michael Jackson. Pourquoi la vie nous, ça nous raconte ça. Wow. Merci, Victor. Wow. Merci, Victor. Polo. Je vais vous dire. C'est ça, nous allons dire ça. Je salue tout le monde, donc c'est un plaisir d'entendre les mots pour nous faire part de l'activité. Merci pour nous, merci pour la programmation de la diffusion. Nous sommes à la diffusion, c'est très populaire. Donc, à chaque année, nous faisons des événements marqués, anniversaire de la radio. Donc, il y a vite venu là, et ensuite, nous mettons des albums là, avant l'album nous même sorti officiellement. Dès que tout l'album avec. Votre seul bagage n'est pas à diffuser toute musique, parce que pas de production. La musique n'est pas même de diffuser quelque chose qui est exposé dans cette vidéo. Donc c'est un très bon album, mais que la musique a mené, c'est la première musique, la première fois ce soir. Je trouve que nous faisons un excellent job. Ensuite, on travaille en termes de marketing pour entendre la colle. Radio a fait deuxième anniversaire avec la colle, et puis Vice. Et ça, de 1h du matin, tout est bloqué. Donc, certainement, c'est vraiment très apprécié. Je suis capable d'entendre son musicien très talentueux, un chanteur, un excellent chanteur. Donc, de la même génération avec Alain Gavé. Donc, je suis capable d'y Haïti, vraiment, par de très bons chanteurs, de très bons artistes. Donc, félicitations pour ça d'entendre. Et ceci, vraiment, de tout le monde, un applaudissement si vous pouvez vous entendre parce que c'est vraiment spécial. Donc, pour mon talent, pour tout le temps. Parce qu'en Haïti, ça qui manque, nous manquons une éducation pour nous faire dans les médias pour apprendre à apprécier ça que nous gagnons. Et la majorité haïtienne, il y aurait même à l'étranger. Nous sommes à l'étranger, on commande à mon nom. Mais depuis c'est ça, on a une tendance comme ci, comme ça. Donc il faut nous apprendre à apprécier ça que nous gagnons. L'on apprécie ça, on gagne, c'est le sort de valeur et le sort de valeur. Donc vraiment, c'est pour plaisir d'entendre. Merci. Pour vous, bravo. Merci, un peu. One love, Polo. Appréciez très fort, s'il vous plaît. Polo.